Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, coloriage. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Enfin, ça fait pas des mois, mais bon. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un coloriage extrait du livre. Désolée, vous le voyez à l'envers. Mysterious Face de Kevin Théoart. Voilà, je l'avais présenté en unboxing. Oui, en unboxing, non, en présentation de livre, pardon. Je vous remets ici quelque part la présentation du livre. Donc, j'ai commencé le coloriage de. Alors, je laisse ouvert parce que il y a quelque chose qui sèche dessus et je laisse sécher encore. Abîmé. Que je disais, je sais plus. Oui, donc j'ai choisi de faire un dessin de Kevin Théoart. Comme je vous avais dit, j'adore ses dessins. Là, c'est dans le deuxième livre. Voilà, c'est le deuxième. Là, je ferai la prochaine fois dans le troisième. Je vais prendre un petit peu à la fois un petit peu dans chaque livre. Là, celui-là, c'est un dessin qui fait partie du deuxième livre. Donc, alors j'ai utilisé plusieurs crayons de couleur, enfin plusieurs marques de crayons de couleur. Et manque de peau, ce que j'ai utilisé, je n'ai pas encore fait les petites étiquettes. Donc j'essaierai de vous mettre au mieux les numéros en barre d'infos que j'ai utilisés, si j'oublie pas. Je vais essayer de pas oublier. Donc j'ai utilisé les polycolores pour le visage, j'ai utilisé les bruts de fenêtre. Le bruit de funère, c'était pour les yeux. Oui. J'ai utilisé les Prismacolor. Donc, ça, c'était pour le reste. Donc, pour les cheveux. Puis, j'ai fait des cerises aussi. Voilà. Et j'ai utilisé du Glossy Accent dans mon coloriage. Donc, j'ai utilisé pour les cerises qu'il y a dans le coloriage. Voilà, je voulais mettre un peu en relief les cerises. Vous verrez. Et c'est pour ça que là, je dois laisser mon livre ouvert pour le temps que ça sèche très bien. Là, c'est déjà sec au toucher, hein. Mais pour que ce soit sec en profondeur, il faut bien une bonne nuit pour que ce soit bien, bien sec, bien durci. Donc, je laisse ouvert toute la nuit avant de refermer mon livre. Voilà. Ah, ma fifi. Oui. Et tu vas pas les mettre tes papas dessus. Hein? Non, non. De toute façon, je l'ai mis de façon qu'elle puisse pas y toucher. Voilà. Donc, il reste quelques petites choses. Oui, si, il reste. J'ai fait la moitié du dessin. Il restera l'autre moitié à faire. Voilà, donc je ferai demain ou après-demain, je vais voir. Et après, il y aura le fond. Le fond, je vais voir comment je vais le faire. Je n'ai pas encore réfléchi au fond. Je vais voir comment je vais le faire. C'est le moment de l'échouille. Oh, l'échouille. Encore là? Non? Tu ne vas pas là? Donc, voilà. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo en espérant qu'elle va vous plaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires pour retrouver le matériel et retrouver le livre de Kevin et également le lien de sa boutique sur Etsy où vous pouvez retrouver ses dessins à l'unité et certains dessins qui ne sont pas dans ses livres. Vous pouvez les retrouver donc dans sa boutique Etsy. Voilà. Les bouquins, eux, vous les retrouvez sur Amazon. Voilà.
Allez, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.